J'espère que vous allez bien, je serai contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un calendrier de l'Avent! Oui, on est le 11 janvier et on ouvre encore des calendriers de l'Avent. C'est normal, on est sur la chaîne de Beautylizion. Vous savez à quel point j'adore les calendriers de l'Avent. Et là, je vous la partage rapidement pour que vous puissiez en profiter si jamais vous le souhaitez. J'ai investi dans ce calendrier de l'Avent. C'est le calendrier de l'Avent Lush 24 cases ou 25 cases, je ne sais plus. Qui était au prix de 250 euros, donc super cher. Et il passait à moins 50%, donc ça reste une somme. Mais si jamais vous voulez en profiter, c'est maintenant. C'est l'heure ou jamais, parce que je pense qu'après, il n'y aura plus de stock et ce sera terminado. Donc, déjà, il est super lourd. Il sent extrêmement bon. J'ai trop trop hâte de voir. J'étais pas prête mentalement pour des bombes de bain, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Et ça me permettra de tester. Donc voilà. Donc, let's go, c'est parti. Je suis trop pressée de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça s'ouvre dans une boîte comme ceci. Bon, il y a pas mal de trucs de bain. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Donc vous avez une première partie. Hop. Hop, comme ceci, et vous avez la deuxième partie dans le fond. Du coup, je vais d'abord faire la première partie, n'est-ce pas? On va commencer par le commencement. Je vais le... Ouch, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais le tenir comme ça, et puis on va ouvrir case par case. Donc, ça sent terriblement bon. La case numéro 1. Alors, nous avons... Est-ce que j'ai un petit livret pour dire qu'est-ce qui sent quoi? J'ai pas l'impression. Non, je crois pas. Donc, c'est dommage. Alors, qu'avons-nous? Dans la case numéro 1, nous avons une grosse bombe de bain. Je pense que c'est citronné. C'est vraiment dommage que j'ai pas les références des produits. Parce que là, je vous avouerai, par vous dire que ça sent bon, je pourrais pas vous dire grand-chose. Franchement, ça sent super bon. Elle est très très grosse. Donc voilà. Première case, c'est vraiment pas mal. Alors évidemment, si vous n'avez pas de bain, n'achetez pas ce calendrier de l'Avent là parce qu'il y a beaucoup de bain moussant et bombe de bain à l'intérieur. Ensuite, la case numéro 2. Donc à chaque fois que vous ouvrez, en fait, vous avez des petits frisottis et ça va vous chercher du coup le produit à l'intérieur. Hop. Deuxième bombe de bain en forme de cône comme ceci. Très très jolie. J'ai l'impression qu'elle sent la même chose. Un peu plus orangé peut-être. Bon, écoutez. Pour ça, je vais pas vous aider grand chose. Si jamais je les trouve, je vous mettrai les notifs à chaque fois. Mais c'est vrai que je vais pas vous aider beaucoup. Case numéro 3. Ce qui est bien, c'est que la boîte, vous pouvez la vider du coup à la fin. Et puis réutiliser la boîte. C'est trop cool. Hop, ça doit être un bain moussant parce que c'est un peu plus gras. Je ne sais pas. Ça sent le framboise, j'ai l'impression. I don't know. C'est hyper grand, franchement, par rapport à la taille de ma main. Super grand. Bon, écoutez, pas mal, pas mal. Je vais me faire des bombes, hein, je vous jure. Hop, case numéro 4. Ah oui, là, il va vous passer celui-ci. Je viens de casser un petit bout. Non! C'est un petit cheval comme ceci. Donc, une boule de bain, évidemment. Ah, ça sent... Ah, j'adore celle-ci. Je sais pas du tout ce que ça sent. Mais alors, par contre, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, ok. Next. Case numéro 5. Alors, je suis désolée, vous voyez pas grand-chose quand j'ouvre les cases, mais je peux pas vous le mettre droit, sinon tout va se casser la tronche. Un autre bain moussant. Un moussant, c'est un pain. Je sais pas. C'est vraiment plus gras que... Ah, je suis pas trop fan. C'est pas qu'il y ait des paillettes. Je crois qu'il y a des paillettes dessus. Est-ce que je peux vous montrer? Bon, écoutez, on verra bien. La case numéro 6. Bah ça c'est quoi? Un pain moussant aussi? Un pain? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de petit livret avec pour savoir derrière est-ce qu'on a des infos. Rien du tout. Bon. Parce qu'en plus, moi, j'ai jamais testé le. J'ai acheté une box une fois, mais c'est tout. Du coup, bah, j'ai pas beaucoup de références, produits, etc. Je m'intéresse pas forcément à la marque plus que ça parce que, bah, voilà. Comme je vous dis, j'en ai pas par chez moi, etc.
Ouh, c'est joli ça. Ah, ça glisse. Ah, c'est une petite poire. Comme ceci. Très jolie. Poire dorée. Je pense une bombe effervescente, encore une fois. Case numéro 8. Bah, je pensais qu'il y avait autre chose que des bombes effervescentes. Hein. Quand même. Ouh, c'est joli. Je pense que c'est encore un... une bombe de bain. Je pense. I don't know. Ah, elle sent super bon celle-ci. La case numéro 9. Ah, enfin un produit. Quand même. Hein. Je sais bien que c'est principalement des bombes de bain, mais... Hop, alors, je vais super l'arracher. Orange, un gel douche exfoliant orange. Comme ceci, c'est une contenance de 130 grammes. Ça, c'est cool. Case numéro 10. Alors, oh yes, un gel douche ça, non? Le, ah, il a dégouliné. Le Fairy Snow, le gel douche comme ceci. Quand il est un petit peu dégouliné, je suis un petit peu deg. Par contre, livraison au top, je l'ai reçu 3 jours après, je crois. C'était très très efficace. La case numéro 11. Un exfoliant caramel salé pour les lèvres. Comme ceci, c'est une contenance de 25 grammes. J'adore les exfoliants de chez Lush pour les lèvres. C'est l'un des seuls produits que j'ai testé d'ailleurs. Franchement, j'aime beaucoup. Et enfin, pour terminer avec ce compartiment-là, la case numéro 12. C'est bien, c'est qu'ils aient mis les 12 premières cases ensemble. Oh non! Il est cassé. C'était un petit ange. C'était. Petit ange comme ceci. Vraiment moussant. Très joli. Très, très, très joli. Case numéro 13. Où il y a la 13 là? Attendez. Ah oui, la 13 elle est encore là. Excusez-moi. Je pensais que c'était jusque 12. La 13. Hop. Alors, qu'avons-nous? Nous avons un autre gel douche. C'est le Hot Toddy. Cocktail fruité qui fait monter le rose aux joues. Ça sent. Ah, ça sent bon ça, c'est quoi? Ouais, il y a la cannelle ou un truc de d'hiver, je vous jure. Bon, c'est une contenance de 115 grammes. Ça, c'est cool. Ensuite, cette fois-ci, on passe à la deuxième partie avec la case numéro 14 qui est immense. Est-ce que je vais réussir à vous faire voir? Parce que le coffret est encore assez lourd. La case numéro 14 est vraiment immense. Alors, qu'avons-nous dans la case numéro 14? Qu'avons-nous? Qu'est-ce que c'est? Voilà, elle est explosée. Bon, bah, je vais pas vous montrer en entier. C'était... Oh, en plus, c'est un truc trop beau. Oh, j'ai le seum. Bon, c'est cassé vraiment en 1000 morceaux, là. Je vais pas pouvoir vous le montrer, mais voilà. C'est une grande bombe de bain comme ceci. Ah, oh, ça sent chewing-gum. Ah, oh, je suis dingue. Elle était trop belle en plus. Bon, ok. Bon, déjà, pas de regret de ne pas l'avoir pris cette année. Parce que le fait que tout soit cassé, ça m'embête un petit peu. Case numéro 15. Essaye de ne pas casser. Hop, voilà. Un petit nœud. Hop, comme ceci. Oh, j'ai trop hâte de me faire des bons bains chauds, là. Oh, ouais, ça va être le rêve. Ensuite, la case numéro 16, comme 16. Alors, qu'avons-nous? C'est encore un gel douche, le Health Shake, avec du raisin, du kiwi et de la... Oh, ça doit sentir bon. Et de la pomme. Ah, ouais. Ah, non. Je ne pensais pas à cette odeur-là. C'est une contenance de 120 grammes. C'est celui que j'aime le moins pour l'instant. C'est celui que j'aime le moins. La case numéro 17. Alors, qu'avons-nous? On a encore une grande bombe de bain comme ceci. De chez Lush. J'ai l'impression qu'il y a de la menthe dedans. Je suis pas sûre. Honnêtement, je peux pas vous dire. Je suis très très nulle pour décrire les odeurs. Mais là, ouais, on dirait qu'il y a un peu de menthe à l'intérieur. Ensuite... What is this? Alors, hop, c'est une lune. Ah, trop cute.
Regardez-moi ça. C'est trop trop cute. Ils sont le même que l'autre. Bizarre. Ensuite, case numéro 19. Un pain. Comme ceci. Ok. Case numéro 20. C'est déjà bientôt la fin. On n'a pas le temps de déguster, quoi. Oh là là, le petit Père Noël, trop mignon, qui a perdu une botte. Il sent bon aussi, celui-ci. Ouais, c'est dommage, c'est que ça arrive cassé quand même, quoi. C'est bien protégé, mais ça arrive quand même cassé. Case numéro 21. Ah, yes, encore un produit. Nous avons le Sleepy. La crème pour le corps, infusion d'avoine. Et de lavande parfumée, c'est un 50 grammes. Très bien. Bientôt terminé, les gars. Case numéro 22. Ah, elle n'est pas cassée, celle-ci. Une bombe. Lush, comme c'est une grosse bombe. Voilà. Très sympa. La case numéro 23. Qu'avons-nous, les amis? Je fais attention quand je les prends pour pas les casser davantage. Hop. Encore une grosse bombe de bain, comme ceci. Mais je sais pas, ce qu'on fait. Est-ce qu'on met une bombe de bain comme ça, une grosse bombe de bain comme ça, en une seule fois? Ou en plusieurs fois? Je pense que c'est en plusieurs fois quand même. I don't know. Case numéro 24! Hop, ça passe même pas dans la petite case. Attendez, je suis obligée de soulever le carton. Parce que là, ça ne passe pas dans la petite case. C'est quoi? Donc, de chez Lush, le baume pour les mains Sweet, Sweet Wild Orange. Comme ceci, c'est une contenance de 50 grammes. Ah, ça c'est la pure orange. Genre, vous savez, les bonbons durs là, à croquer. Ça a le goût. Enfin, ça a l'odeur de ça. Et enfin, pour terminer la case numéro 15, nous avons un petit parfum. Turmeric Latte de chez le. Je ne sais même pas qu'ils faisaient des parfums. Ah! Ah. Oh, il est fort. My gosh. Allez-y avec parcimonie. Ah. Oh. C'est un côté vanillé. Alors, regardez s'ils disent ce que ça. Je trouve que c'est un côté vanillé. Mais alors, par contre, je suis pas très très fan de l'odeur. Franchement, c'est un 15 ml. Donc, voilà, voilà pour l'unboxing de ce calendrier de l'Avent. Alors, bilan de ce calendrier de l'Avent. Honnêtement, 250 euros, c'est hyper cher pour ce que c'est. Même 125 euros, je trouve un peu cher. Après, voilà, il faut savoir que les produits Lush ne sont pas donnés non plus. Donc, bon, on revient quand même dans ces tarifs. Mais voilà, c'est pas un calendrier de l'Avent que je vais m'offrir tous les ans. Pour la simple et bonne raison que je trouve ça cher pour faire fondre dans un bain. Voilà, j'ai. En fait, moi j'ai toujours ce. En fait, je me dis. C'est débile, hein. Mais je me dis, en fait, tu payes pour des bombes de bain. Donc tu payes cher parce que les bombes de bain Lush sont très très chères. C'est comme si, en fait, tu mettais un billet de 50 euros dans ton bain. Tu dissous de l'argent, en fait. C'est ça ma réflexion et ce pourquoi aussi j'ai un peu de mal à acheter chez Lush. Même si j'adore leur odeur, etc. Je pense que je remettrai pas, je ne rachèterai pas de calendrier de l'Avent, même à moins 50%, parce que vraiment, c'est pas mon trip, on va dire. Même si j'adore ça et je vais adorer le mettre dans mon bain. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. On a finalement beaucoup, beaucoup de bombes de bain. Très, très peu de produits. Je pensais qu'on avait un peu plus de produits différents. On a quand même trois gels douche. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un parfum.
Une crème, un baume pour les mains, un exfoliant. Voilà. Et tout le reste, c'est des bombes de bain et des pains. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aimais beaucoup le design de la boîte, etc. Et le fait que ce soit réutilisable, ça c'est vraiment cool. Mais par contre, effectivement, c'est pas un calendrier de l'Avent que je reprendrai et que je vous conseillerais forcément. Bon, déjà, si vous n'avez pas de bain, ça sert à rien d'investir rien dedans. Et en plus, même si vous avez un bain, est-ce que le prix en vaut? Alors, voilà, certes, c'est un beau coffret et voilà, les bombes de bain Lush sont déjà très très chères. Donc, voilà, forcément, vous allez quand même rentrer un petit peu plus dans vos frais, dans ce genre de coffret. Mais c'est vrai que, ouais, je suis pas. On va dire, je suis pas emballée à l'idée de faire du coup. Payer aussi cher pour du bain, tout simplement. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de ce calendrier d'Avent. Si vous l'avez acheté, si vous ne l'avez pas acheté, si c'est hors budget, même à moins 50%, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt!